Bonsoir mes amis, bonsoir. C'est pas facile, hein, mais Ibrahim, je suis en train de te lire. Je te rappelle quand je finis, effectivement. C'est pas facile, mais comme on dit, bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à vous. Nous prions tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche, nous prions tous pour le repos éternel de l'âme de notre frère Ahmed Bakayoko. Je voudrais faire ce petit live au fait. C'est pas facile. Franchement, ça me coince à la gorge, mais j'essaie de me maîtriser parce que je ne vais pas ressortir mes émotions ni mes sentiments. Mais je pense que chacun vit différemment son deuil. Et puis chacun essaie d'évacuer et puis voir l'avenir en face de nous, puis continuer à vivre. Hein. C'est des émotions, ce qui est normal. C'est normal que chacun puisse avoir des émotions. Mais je voudrais faire ce live-là. Et puis, j'avais envie d'écouter cette musique, l'hommage de Koffi à Ahmed, à Mbak. Mais c'est vrai que peut-être j'aurais dû ne même pas jouer cette chanson. J'avais du mal à l'écouter. Puis je me suis dit, aujourd'hui, c'est possible. Il faut que je l'écoute. J'ai envie de l'écouter. Mais bon, voilà, l'émotion est là et puis c'est comme ça. Parce qu'il y a des images d'en bas que je refusais de voir. Parce que aussi, mais quand je vois ces images de cet homme joyeux, rempli de vie, et c'est pas facile. Zut, alors, c'est pas facile. Voilà. C'est pas facile, mais c'est pas facile. Et quand tu vois ces images d'un homme rempli de vie, et puis du jour au lendemain, tu t'aperçois que cet homme n'est plus là, tu te dis waouh. Et est-ce que c'est ça la vie? Si c'est ça la vie, alors la vie mérite d'être vécue simplement et puis humblement. Voilà. Et avant de commencer le live, vous voyez, j'ai du mal mais j'ai voulu parler d'entrée d'Ambac pour parler de l'exceptionnel. Personnalité qu'il était. C'était une personnalité exceptionnelle. C'était un homme politique simple, vrai, et naturel. Et il avait compris en un mot, il avait compris ce que c'est la politique, ce que c'est la vie, ce que c'est l'humain. Donc c'était un grand humaniste. Et je veux rendre hommage aussi, avant de commencer ce live, à Amba qui nous a quittés et que nous avons vraiment encore du mal à... Pour nous, la mort, elle est difficile à accepter, mais nous devons accepter la volonté de Dieu et chacun, nous devons prier pour le repos éternel de son âme. Pourquoi j'ai pris Ambak en exemple? Parce que je veux revenir sur mon article, enfin, mon poste qui a été relayé par des médias en ligne. J'ai fait un poste sur ma page Facebook, je me rappelle même plus même de, d'ailleurs, même de c'est un poste, je me suis réveillée le matin, j'ai dit j'ai envie d'écrire, voilà. J'avais envie d'écrire quelque chose. Et puis, j'ai fait ce poste-là. Et j'ai fait ma plaidoirie. Voilà. J'ai fait ma plaidoirie. Et je me suis dit, je vais faire une plaidoirie au président de la République.
Voilà, donc j'ai intitulé ce poste-là ma plaidoirie. Mais je pense que au fur et à mesure que je lis les commentaires et je lis. Ça va aller. Au fur et à mesure que je lis les commentaires et que je vois comment la presse en ligne a relayé ce poste-là, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un bout de live pour. C'est aussi intéressant. C'est bien décrit, mais c'est intéressant aussi de faire des lives parce que c'est parfois c'est plus simple pour certains d'écouter les lives plutôt que de lire. Moi, ça m'arrive parfois d'écouter que de lire ou d'écouter. Donc, je vais faire ce petit bout de live pour juste exprimer ce que j'ai mis en écrit, mais en live. Donc, je voudrais dire d'abord aussi un grand merci au président Alassane Ouattara, au chef de l'État, parce que je veux dire merci au président Alassane Ouattara et au chef de l'État qui, je dis pas qu'il a écouté ma prière, parce que ma plaidoirie n'est pas une accusation dans ce que j'ai dit dans le poste, ce n'est pas une accusation, je porte pas d'accusation, mais c'est ma prière que j'ai faite, et je vais dire un grand, grand merci au chef de l'État. Je peux dire aussi merci à Dieu, ma prière peut-être quelque part a été exaucée, peut-être des petits anges quelque part ont fait remonter ma prière, et je vais dire merci à ces petits anges qui ont fait remonter ma prière, qui ont fait remonter ma prière, et ma prière est arrivée, peut-être sans doute, je ne dis pas que c'est vrai, mais ma prière est arrivée peut-être au président de la République. C'était une prière, ce n'était pas des accusations. Merci à lui, merci d'avoir élevé l'idée de la République, merci d'avoir élevé la notion de l'État, merci d'avoir élevé notre pays. Et merci d'avoir prouvé encore à nouveau que le président Alassane Ouattara était un homme d'État, est un grand homme d'État, au-delà d'être président de la République, c'est un grand homme d'État. Parce qu'on peut être président et puis manquer de cette notion-là, de cette qualité, je ne dirais pas notion, mais plutôt de cette qualité. Parce que c'est une qualité d'être un chef d'État. On peut être élu président, mais. On peut être président sans être homme d'État. Et comme on peut être président et homme d'État à la fois. Donc le président Alassane Ouattara incarne ces deux notions, ces deux qualités-là, président et homme d'État. Pourquoi je le dis? Félicitations au nouveau Premier ministre Patrick Hachi, que je salue fraternellement et que je salue en tant que citoyenne ivoirienne et en tant que présidente d'association, l'association Idées de paix. Je crois à la décision du président. Je crois au bon choix du président. Je pense que c'est un très bon choix. Patrick Hachi est un très bon choix pour élever cette fonction, haute fonction qui est incarner cette haute fonction qui est chef du gouvernement, premier ministre. C'est un bosseur. De l'ombre, il est passé à la lumière, mais c'est un bosseur, il a fait ses preuves, il a des qualités, il est très intelligent. Le président a sa confiance et je pense qu'en tant que nous citoyens, en tant qu'Ivoiriens, nous pouvons lui faire confiance et nous devons lui faire confiance parce qu'il a démontré à plusieurs reprises qu'il était un bosseur, c'était un homme discipliné, assidu, bosseur qui travaille, qui maîtrise ses dossiers. Et ça, c'est aujourd'hui, nous aspirons tous à ces valeurs-là. Mais Hachi Patrick incarne vraiment ces valeurs-là. Moi, je l'ai, comme je l'ai dit souvent sur ma page Facebook, dans mes interventions à Abidjan, pendant la campagne, avant la campagne, le lancement de la campagne du président Alassane Ouattara, il a présenté le projet du gouvernement, des campagnes du président Alassane Ouattara. Et moi, dans la salle, j'ai été bluffée. Devant cette carrue, cet homme élégant, intelligent, qui s'est levé, qui a parlé, qui a expliqué, sans même regarder sur une feuille, tout le programme que nous on avait en main, qu'on feuilletait, mais il a expliqué, il a parlé, il maîtrisait déjà ces dossiers. Et ça m'a beaucoup bluffé. Je me suis dit, waouh, bravo, on s'est levé, on l'a ovationné, on se dit, mais vraiment, c'est que la Côte d'Ivoire, elle est gorgée des compétences. Nous avons une richesse intellectuelle.
Nous avons une richesse humaine, nous avons une vraie richesse. C'est juste de les valoriser, de les mettre en avant, et puis nous serons beaucoup plus heureux. Et donc, je veux dire merci au président de la République d'avoir porté son choix sur Hachi Patrick. C'est très important de le dire, et aussi de relever ce côté d'ouverture d'esprit du président de la République, ce côté de rassemblement, sa vision du rassemblement. Parce que le président Alassane Ouattara, malheureusement, parfois, il est stigmatisé, il est relié à un parti politique ou est relié à une ethnie parfois. Alors qu'en réalité, le président Alassane Ouattara est un homme, c'est un contemporain. Il aime la tradition, c'est le mélange de tradition, de modernité et d'excellence. Donc c'est tout ce mélange-là. Et je vous demande juste d'ouvrir les yeux, de prendre de votre temps, de l'observer, d'apprécier l'homme et de comprendre qui est Alassane Ouattara. Moi, j'ai pris le temps d'observer Alassane Ouattara. Moi, j'ai pris le temps de le lire, de le décortiquer. Et j'ai pris le temps d'apprécier l'homme. Alassane Ouattara, c'est pas un coup de foudre. Seule son épouse, Dominique Ouattara, la première dame, a eu un coup de foudre pour lui, ce qui est normal. Mais nous, en tant que citoyens, avec Alassane Ouattara, c'est une relation qui s'est construite, qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, et qui s'apprécie et qui devient très, très fusionnelle. Et moi, ça a été ma démarche, moi, en tant que Gouzan Naounou, ma démarche, c'est j'ai pris le temps d'apprécier, de regarder, d'observer, de regarder Alassane Ouattara, de l'apprécier au fur et à mesure. Et je suis tombée sur la qualité exceptionnelle de l'homme, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, j'ai pas de doute et j'ai pas de regret. Je dis, la Côte d'Ivoire a une grande chance d'avoir un grand homme à la tête de l'État. Alassane Ouattara était un grand homme. Et donc, le choix de Patrick Hachi, je pense que c'est une excellente chose pour la Côte d'Ivoire. C'est une excellente chose pour les réformes à venir. Et c'est important de le souligner. Voyez, Patrick Hachi, c'est un peu le choix de Patrick Hachi, c'est un peu le choix de Félix Houphouët-Boigny quand il désignait Alassane Ouattara comme son premier ministre. Si, pour ceux qui ont un peu de mémoire, je pense que beaucoup d'entre vous, on était encore très jeunes, mais on a encore de la mémoire, dans les années 90, quand Félix Houphouët-Boigny était très fatigué, il y avait autour de Félix Houphouët-Boigny sa communauté baoulée qui disait « Non, il faut mettre un premier ministre qui est baoulé, comme ça on est sûr que les baoulés seront protégés. » Et les gens disaient comme ça autour de Félix Houphouët-Boigny. Non, c'était des choix d'ethnie autour de Félix Houphouët-Boigny et des pressions ethniques qui pesaient sur Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, qui était déjà très fragile et qui était presque en fin de vie, enfin presque en fin de vie. Et il y avait des pressions comme ça sur lui. On lui disait, non, il faut choisir un baoulé, comme ça on est sûr que les baoulés seront, on gardera, il faut choisir. Et il y avait toutes ces pressions-là. Mais qu'est-ce que Félix Houphouët-Boigny a fait? Il n'a pas regardé l'ethnie. Il n'a pas regardé le côté tribal. Il n'a pas regardé le côté de groupe. Il n'a pas regardé le côté de pression. Il avait une vision grande pour la Côte d'Ivoire, qui était de quel avenir pour mon pays? Comment je vais conduire mon pays? Comment je vais transmettre ces valeurs à mon pays? Il a fait le choix de choisir un fils du Nord, qui était Alassane Ouattara, comme son premier ministre. Il a choisi le fils du Nord. Houphouët-Boigny a choisi l'excellence. Houphouët-Boigny a choisi la compétence. Il y avait des gens compétents autour, mais il s'est dit qui était capable de réformer la Côte d'Ivoire, de mener ses réformes économiques, de relever l'économie du pays. C'était Alassane Ouattara. Houphouët-Boigny n'a pas regardé les couleurs ethniques, il n'a pas regardé les couleurs religieuses. Parce que Houphouët-Boigny, il était chrétien, catholique, pratiquant. Alassane Ouattara, il est fils du Nord, il n'est pas baoulé, mais il est musulman. Houphouët n'a pas regardé tout ça. Il a dit, lui, c'est mon bon fils. Houphouët a dit, lui, c'est mon bon fils. Et Houphouët a choisi Alassane Ouattara comme premier ministre de la Côte d'Ivoire. Le tout premier ministre de notre pays, c'était le président Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, je trace ce même parcours avec Patrick Hachi. Et je regarde, quand j'observe, je dis, prenez le temps d'observer Alassane Ouattara, mais vous serez amoureux, mais pas amoureux comme Fantagbé, parce que c'est pour Fantagbé, mais
Vous tomberez amoureux de l'homme, de son intelligence, de sa capacité à transcender les choses. C'est pour ça que je dis merci aux petits anges qui ont ces petits anges-là. Il y a un sou, les anges-là, il y avait des femmes et des hommes. Mais merci à tous ces anges qui ont véhiculé le message. Je pense que c'est ça aussi le relais. Et je dis merci à toutes ces personnes-là parce que le président a transcendé les choses. Les clivages ethniques, il a transcendé. Parce qu'il y avait aussi des pressions autour de lui. Il y avait un peu de pression de tout. Qu'est-ce qu'il a fait à Alassane Ouattara? Il a dit, Patrick Hachi est du Sud. Il n'est pas musulman comme moi, mais il est chrétien. Mais c'est un élève discipliné. C'est un bon fils. Il est excellent. Il est compétent. Je suis les traces de mon père Félix, mon père spirituel Félix Houphouët Boigny. Hachi est le bon choix. Pas que les autres ne sont pas bons, mais c'est lui que j'ai choisi. Parmi tous mes disciples, parmi mes enfants, j'ai choisi Patrick Hachi pour être le premier ministre. Mes frères et sœurs, je pense que c'est à saluer. C'est à saluer. C'est à saluer parce que quand on regarde l'histoire de notre pays, parmi tous les enfants de Félix Houphouët-Boigny, ceux qui ont travaillé avec Félix Houphouët-Boigny, ceux qui ont côtoyé Félix Houphouët-Boigny, ceux qui ont approché Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara est le bon fils. Certes, Houphouët-Boigny avait beaucoup d'enfants. Il aimait beaucoup ses enfants. Tous ses enfants, tous ses collaborateurs étaient ses enfants. Mais le bon fils qui suit les traces réellement de Félix Houphouët-Boigny, qui a vraiment aimé son père Félix Houphouët-Boigny, qui a compris la vision de Félix Houphouët-Boigny, qui a tout compris de Félix Houphouët-Boigny, c'est le président Alassane Ouattara. Il est vraiment sur les traces de Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi j'essaie de parler de ça là maintenant aujourd'hui pour dire que notre pays est pluriel, elle est riche. Les compétences, il y en a partout, dans tous les groupes ethniques. Les compétences, les intelligences, il y en a partout, dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Mais la capacité à transcender, c'est pas tout le monde qui a cette capacité, cette intelligence d'esprit. Et le président Alassane Ouattara est un homme très intelligent. Il sait ce qu'il fait. Et il sait comment il fait. Il sait comment y aller. Il ne fait pas les choses au hasard. Il a son agenda à lui. Il sait d'ici 2050 ce qu'il veut de son pays. Le président Alassane Ouattara a déjà le schéma de 2050. Pendant que nous, on est dans 2021 en train de réfléchir qui va être ministre, qui ne va pas être ministre, lui, il a déjà dépassé ça. Il est déjà à autre chose. Au moment où les gens se battent, les gens font des sacrifices, les gens se lavent avec des canaries pour être ministre, être nommé ou n'est pas sorti du gouvernement, le président Alassane Ouattara, il est déjà ailleurs. Il est passé à autre chose. Parce que pour lui, l'histoire des nominations, c'est déjà comme c'est clos. C'est clos. Il est déjà passé à autre chose. Si vous prenez le temps de le regarder, de l'apprécier, c'est comme un dictionnaire. Prenez le temps de lire les mots, de comprendre. Si vous prenez ce temps, vous allez comprendre que quand Alassane Ouattara dit quelque chose, c'est que c'est déjà fait. Sinon, il ne dit rien. Quand il dit quelque chose, c'est que c'est fait. Sinon, il ne dit rien. Quand vous avez un communiqué du président, là, c'est que le président a décidé. Ça ne sert à rien de vous bagarrer sur la toile, que chacun puisse envoyer son groupe de cyber militants pour faire les atalakous. En fait, ça ne sert absolument à rien. En fait. Ça ne sert plus, ça ne sert à rien. La décision, là, elle est déjà... Parce que si vous connaissez vraiment le président, Alassane Ouattara, vous n'allez même pas vous casser la tête. La décision est prise. C'est déjà clos. Sinon, il ne parle pas. Quand il sort pour parler, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il faut écouter. Il faut penser à ce qu'il vient. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est déjà terminé. C'est déjà bouclé. Et c'est en cela que je vais appeler mes frères ivoiriens du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre. Mettons-nous ensemble. Restons rassemblés. Restons rassemblés autour. Derrière les décisions du président, si nous aimons notre pays,
Si nous aimons la Côte d'Ivoire réellement, si nous pensons ensemble la Côte d'Ivoire, suivons les décisions. Ne cherchons plus à nous bagarrer pour des personnages, pour des personnalités. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Ce qui est important là, c'est ce que nous on doit apporter pour améliorer la cohésion sociale. Ce qui est important là, c'est nos idées. C'est nos idées, c'est ce qui est important. C'est nos idées. C'est pour ça que j'ai mis dans ma plaidoirie, dans la plaidoirie, j'ai dit, je souhaiterais, si j'étais présidente, je sortirais du gouvernement la majorité. C'est important. Ça n'a pas plu à certains, c'est normal. Parce que les gens confondent la mission à une fonction. Les gens confondent leur mission à une fonction. Être ministre, c'est une mission. C'est une mission. Ce n'est pas une profession. Être ministre, là, c'est une fonction. Ce n'est pas une profession. C'est comme un militaire qui s'engage pour son pays. Donc, il est en mission pour son pays. Mais un militaire qui est en mission pour son pays, là, quand il finit sa mission, là, il rentre chez lui. Et puis, il est content d'être chez lui quand tu finis ta mission. Tu dois être fier parce que quand tu fais le bilan de ta mission, toi-même, tu es satisfait puis tu es fier de ton bilan. Tu dis, j'ai bien servi mon pays. J'ai été heureux de servir mon pays. Et puis, tu rentres chez toi. Et puis, tu vas à tes occupations. Tu as envie de te reconvertir. Tu crées une entreprise ou tu deviens PDG de ton entreprise. Tu deviens PDG de ton entreprise. Mais malheureusement, tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être président. Tout le monde veut être dans le gouvernement. Mais on ne peut pas avoir 60... On ne peut pas avoir 23 millions de ministres en Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes 23 millions d'habitants. Peut-être même 25 millions d'habitants. Sur les 25 millions d'habitants là, on va dire peut-être que 15 millions. Mais on ne peut pas avoir 15 millions de ministres. Sinon, quand tu vas en mission, que c'est pour réussir ta mission là. Quand tu as réussi ta mission, que tu es, toi-même tu es avec Dieu là, tu es connecté avec Dieu. Parce que tout ce que nous faisons sur terre doit refléter de la spiritualité. Parce que nous recherchons quoi? La relation humaine. Parce que quand on fait de la politique, quand on est ministre, quand on est élu, c'est d'être au service de la population, d'être au service du peuple. Un ministre, un député, un maire, un cadre comme on peut dire, des DG, parce qu'ils sont nommés par les ministères pour gérer les entreprises de l'État. Mais tous ceux-là, les fonctionnaires, ils sont au service du peuple, de la population. Ils sont au service de la population. Donc, normalement, dans ma plaidoirie, j'ai dit, je souhaiterais que le président garde au sein de son gouvernement les ministres qui sont proches du peuple. Parce que quand on est ministre, là, c'est pour servir le peuple et non pour se servir et non pour que le peuple te serve. Quand on est ministre, là, c'est pour servir le peuple. Le ministre doit servir le peuple. Il est au service du bas peuple, du pauvre, du peuple. Le peuple ne peut pas être au service du ministre. Le ministre doit être au service du peuple. Donc, la mission qu'on te confie là, c'est pas pour que tu sois zélé. C'est pas pour que tu sois guindé. C'est pas pour que tu pètes sur nous, comme on dit. Parce que quand tu marches là, tu pètes sur nous. C'est pas pour ça. C'est pour que tu sois proche du nous. Nous là, la majorité silencieuse là. Je parle au nom de la majorité silencieuse. Que les ministres qui soient nommés soient proches de la population. Je pense que ça doit être le souhait de tout le monde. C'est une prière que je fais. C'est une prière. Parce que les enjeux là que nous vivons aujourd'hui, là, les enjeux à venir, on ne peut même pas imaginer ce qui arrive. Les populations ont soif que leurs autorités
Sois à leur écoute. Ça veut dire quoi? Parce que vraiment, il ne faut pas confondre les choses. Parce que souvent, quand on dit qu'il faut que les autorités soient à notre écoute, les gens pensent qu'ils vont venir à leurs problèmes personnels pour que les autorités puissent les aider personnellement. Non. C'est que la mission, parce que quand tu es un ministre, là, je donne un exemple. On dit que tu as une mission. La mission que le président te confie, là, c'est parce que le président a confiance en toi. Et donc, ta mission fait partie de son programme de gouvernement. La mission du ministre fait partie du programme du gouvernement du président. Donc, dans le programme du gouvernement du président, il y a un budget. On appelle le budget gouvernemental. Le budget de l'État, là. Donc, le président, il est conscient de tout ça. Il s'est dit, bon, OK. Comme j'ai tel nombre de ministres, j'ai tel qui ont des cahiers de charges, c'est bien précis. Puisque ça fait partie de mon gouvernement, je leur fais confiance, je leur confie le budget et le ministère. Ça veut dire que si toi, par exemple, le président te fait confiance, qui te dit, je veux que sur tout l'étendue du territoire ivoirien, tu puisses aider 1 000 jeunes par an. Que tu puisses aider 1 000 femmes par an, que tu puisses aider 1 000 familles par an. Ça veut dire que le président, il met le budget à ta disposition pour ces 1 000, parce qu'il a fait des statistiques. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, c'est un président de synthèse qui met tout sur écrit. Il est discipliné, hein? Il est ordonné, il est structuré. Il est structuré. Il aime les résultats. Donc, quand on te confie un ministère, ça veut dire que tu dois être, ton ministère doit servir le peuple. C'est chaque année, concrètement, sur le budget qu'on te donne, si tu voles 20%, que tu prends 80% pour réussir la mission du président, ça veut dire que tu aurais convaincu la majorité de ses familles, de suivre la vision du président de la République. Parce que le président, c'est à travers la mission qu'il t'a confiée là. Il veut réussir sa vision. Mais si toi, on te donne le budget, que toi seul, tu prends 80% dans le budget et que tu prends 20% seulement pour mener les actions, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir ça. Parce que toi seul, tu as été gourmand, tu as pris 80%. Et pourtant, si tu avais mis 80%, 90% du budget qu'on t'a donné là, si tu avais bien travaillé, à la fin de l'année, on aurait 1 000 jeunes qui seraient formés, 1 000 femmes qui entreprennent, 1 000 familles qui ont bénéficié du social, par exemple. Donc, quand on prend 1 000 jeunes, 1 000 femmes, 1 000 familles, il faut essayer de les multiplier tout simplement par 3. Parce que le jeune là, il fait partie d'une famille. La femme là, elle fait partie d'une famille. La famille là, eux-mêmes sont dans une grande famille. Donc il faut multiplier. C'est-à-dire finalement, tu multiplies 3 000 par 3. Tu as combien? Tu as combien? 3 fois 3, 9. Ça veut dire que chaque année, tu es capable de démontrer statistiques sur les de démontrer même les statistiques, prouver, démontrer que ton ministère là, ta fonction là, ta mission que le président t'a confiée à le budget là, toi tu as aidé 9 000 à 10 000 familles par an. 9 000 à 10 000 familles par an. Mais si toi tu réussis à écouter, à accompagner, parce que c'est ça. Écouter, accompagner ces 9 000 à 10 000 familles par an sur 5 ans. On va arrondir à 10 000. 5 ans. Tu multiplies 5 fois 5. Oui, sur 5 ans, ça fait combien? 10 000, 10 000, 10, sur 5. Ça veut dire facilement, sur le mandat du président, toi, ton ministère là, tu as aidé au moins 50 000 familles. C'est pas. En fait, on n'a pas besoin de faire de grandes écoles pour comprendre ça. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça. C'est juste humain.
C'est juste la prise de conscience. C'est juste ta recherche avec Dieu, ta relation avec Dieu, ta conscience. La richesse humaine qui va te pousser à aider 50 000 familles sur le mandat. Donc, si chaque ministère, vous aidez 50 000 familles, 50 000 familles, 50 000 familles, je vous assure qu'en 2025, quel que soit le candidat du RHDP, les Ivoiriens vont se lever pour applaudir comme ça, haut les mains, sans faire bruit. Donc, toi, le ministre qui sera nommé, tu dois réussir ça. Ou toi, le ministre qui était dans le gouvernement, tu devrais réussir ça. Mais si on t'a confié des budgets depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, que tu ne peux pas nous prouver que tu as aidé 50 000 familles, pourquoi tu veux qu'on te reconduit? Expliquez-moi. Je ne comprends pas. Moi, c'est ma prière. On te reconduit par rapport à quoi? Parce que on te reconduit par rapport à quoi? On te garde dans un nouveau gouvernement qui va être formé d'ici mercredi, là. En tout cas, je crois, je n'ai pas l'agenda, hein, mais j'essaie de donner des dates comme ça. Faut pas vous aller dire que Gouzan Naounou dit que... Donc, tu veux dire quoi, quoi? Si tu n'as pas réussi à accompagner, à écouter 50 000 familles sur 5 ans, c'est on va te confier 5 autres années, là. C'est ça que tu vas les écouter? Non. Ça veut dire que tu ne pourras pas les écouter. Tu ne vas jamais écouter les gens. Donc, il faut que le président, moi, ma prière, c'est que le prochain gouvernement, là, on puisse être des gardiens pour aider le président à comprendre et le premier ministre Patrick Hachi. Nous-mêmes, on doit surveiller leur ministère. On doit être les gardiens, en fait. Parce qu'il s'agit de la stabilité du pays. Il s'agit de la paix sociale. Le président, il entend de marteler tout le temps réconciliation, paix. Réconciliation, paix. Réconciliation, paix. Mais la paix passe par le social, par l'humanité, par l'humanitaire. Comment on réussit la paix? La paix passe par la justice sociale et équitable. La paix passe par l'humanitaire. Mais on a eu 54 ministres en Côte d'Ivoire. On a eu 54 ministres. 54 ministres. On a 54 ministres. Si chaque ministre en 5 ans avait aidé 50 000 familles, on n'allait même pas. L'opposition ne pouvait pas manipuler des enfants, leur donner 3 000 francs pour couper les arbres sur la route. Jamais. Parce qu'on allait avoir l'impact. Mais le problème là, le président cherche l'argent. Il met sur la table. Il a des grandes lignes. Il dépose. Il dit bosser. Lui-même, même qui est plus âgé que vous tous là, il bosse. Lui qui est plus âgé que vous tous là, il bosse. Lui qui est plus âgé que vous tous là, il bosse. Même quand vous voyez le président en public là, parce qu'on nous dit un événement public, le président là, quand il sort en public là, si vous avez vu le président en public, même quand il va saluer ses ministres, quand il va saluer le monde là, le président s'abaisse comme ça, avec humilité, et puis il salue les gens. Le président, pour vous parler là, il s'abaisse à votre niveau. C'est-à-dire, celui qui est président, qui est chef de l'État là, il est humble. Vous qui n'êtes pas président là, vous êtes guindé, vous pétez sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pétez sur nous. Quand vous passez là, vous pétez même sur nous. C'est de ça qu'il s'agit. Le chef de l'État, le président de la République, lui-même qui est président là, quand il passe là, il est comme ça. Il vous salue comme ça. Il vous salue comme ça. Il fait comme ça. Que ce soit les enfants, les sages, les femmes, le président se met à vos niveaux pour vous saluer. Tu te dis, ah, le président de la République me salue comme ça. Vous qui n'êtes pas président, quand vous marchez, vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. On dirait que vous êtes devenu Dieu. Vous êtes comme ça. Vous êtes comme ça. Il va vous sortir du gouvernement. C'est ce que moi j'ai dit. Aïe. Parce que vous êtes là pour le peuple. Comme vous êtes devenu trop riche, que vous êtes guindé, vous êtes insuffisant, vous êtes un but là. Vous allez aller créer votre entreprise pour devenir Bernard Arnault.
Vous allez devenir Bernard Arnault. Faites comme Bolloré qui était dedans. C'est tout. C'est ma prière, en fait. En fait, je ne vois pas ce qui est méchant dedans. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé d'Ambak. C'est pour ça que j'ai parlé d'Ambak au début. Ahmed Bakayokola, il n'avait pas honte de ce qu'il était avant de devenir Ambak. Ahmed Bakayoko. Ambak là. Il n'avait pas honte. D'où il est quitté pour devenir Ambak. Enfant d'Adjamé. Quand ses amis vont à l'école là, lui il lave Mamie de sa marate. Ambak n'avait pas honte de ça. Parce qu'il était humain. Il était humain. Ministre de la Défense, maire d'Abobo, devenu premier ministre. Lui-même là, avait l'impression qu'il était tous les ministères en même temps. Il est ministre de la Solidarité, il est ministre de la Pauvreté, il est ministre de la Femme, il est ministre des Orphelins, il est ministre des Jeunes. Lui seul, parce que ça, que son humanisme faisait que il comblait le vide. Son humanisme faisait que les imperfections là, j'appelle ça imperfection, les couacs là, il comblait ça. Mais Ahmed Bakayoko n'est pas là. Il n'est plus là. On fait comment? Il faut mettre des gens qui seront proches du peuple et non des gens qui vont péter sur le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je souhaite que le premier ministre, Hachi Patrick, nous devons tous prier pour lui. Pour que il réussisse ça, il va former un gouvernement de combat. Parce qu'il y a des territoires à conquérir, à reconquérir. Un gouvernement de combat. C'est ce gouvernement que le premier ministre Hachi Patrick va former. Avec le président Alassane Ouattara. Donc, s'il y a les gens qui ne seront pas dans ce gouvernement-là, ne soyez pas les rebelles de la République. C'est le message que je vais porter. Le gouvernement que Hachi Patrick va former là, et que le président Alassane Ouattara va valider là, si vous n'êtes pas dedans là, allez-y vous convertir en Bernard Arnault. En Bolloré. Bernard Arnault là. Quand vous venez ici en Europe, vous partez dans les magasins, les boutiques de luxe là. C'est Bernard Arnault. Il est l'homme le plus riche de France. L'homme le plus riche de France. Il n'est pas ministre. Il n'est pas député. Il n'est pas maire. Mais il est l'homme le plus riche de France. On n'a pas besoin d'être ministre pour devenir riche. Il faut avoir juste des idées et puis il faut se les mettre en place. Si tu veux rester, parce que tu ne peux pas rester ministre à vie. Être ministre, ce n'est pas un métier. C'est une mission. Tu as fini, le président l'a dit. C'est-à-dire que quand vous prenez, quand tu lis le communiqué du président de la République, il a dit, c'est-à-dire qu'il a lancé les indices. Je vous remercie pour votre bon et loyaux service. Ceux qui ont fait 8 ans, ceux qui ont fait 10 ans, ceux qui ont fait 15 ans, ceux qui ont fait 20 ans. Je vous remercie. Souvent, je m'assois, je lis le communiqué du président et j'éclate de rire. Je dis, hey, monsieur le président, vous avez parlé gros français. Est-ce que tout le monde a compris ça? Parce qu'il dit, je remercie pour votre bon et loyaux service. Mais en tout cas, pour français là. Quand le français te dit, je te remercie pour tes services là. Ça veut dire, prends la porte, au revoir. Quand le français, quand on dit je te remercie, je vous remercie pour votre bon et loyaux service là, ça veut dire au revoir. En bon français, c'est pour rester courtois et poli. Pour ne pas dire au revoir, ça, on dit
Merci pour tes bons et loyaux services. Merci. Vous savez, c'est courtois, c'est poli, c'est respectueux. Donc, dans le prochain gouvernement, s'il y a des gens qui ne sont pas dedans, je vais vous demander gentiment, ne devenez pas des opposants au pouvoir Alassane Ouattara. Ne devenez pas des opposants à la République. Sinon, nous, là, on va vous traquer. Le prochain gouvernement, là, le nouveau gouvernement, qui est le premier gouvernement de la Troisième République, là, celui qui n'est pas dedans, qui devient opposant, qui devient rebelle, c'est nous-mêmes, le peuple, on va vous pourchasser. Et puis, on va vous traduire en justice. Parce que vous allez venir nous expliquer votre fortune. Ah oui, oui. On va vous traduire devant les tribunaux. Vous allez nous expliquer votre fortune. Parce qu'une fois que quelqu'un sort du gouvernement, il devient rebelle un coup. C'est-à-dire que des gens sont dans un gouvernement, tout va bien, ils sont contents. Dès qu'ils ne sont plus dans le gouvernement, ils deviennent tollés pour tout le monde. On ne peut plus respirer. Là, ils savent créer. Là, ils deviennent opposants. Ils sont dans l'opposition. Je dis, moi, les 54 ministres là. Parce que je pense que le président n'a pas arrivé à 30 ministres. Ah non, pardon. On n'est que 23 millions d'habitants. Il ne faut même pas arriver à 30, pardon. Mais si quelqu'un devient opposant, l'attaquant des Ado, la Boussoumani des Ado, de Ouattara, là, la dernière des Djakassa que je suis, la princesse de Séguéla que je suis, la sœur de Ouroduguka que je suis, la patronne de Sénoufo que je suis, wallahi billahi, on va vous pourchasser dans le pays là. Nous sommes les gibiers émergents. Gibiers émergents. Kobala émergent. Hérisson qui lance pique sur le chasseur. C'est nous-mêmes. Nous sommes les hérissons qui chassent les dozos. On va vous poursuivre dans le pays là. On va vous traquer. Votre fortune là. Vous allez expliquer à la justice où vous avez vu ça. Vous ne pouvez pas justifier. Vous n'avez pas payé impôt de. On va vous traquer. Parce que dès que quelqu'un quitte dans le gouvernement, il devient opposant. Quand il est dedans, là, il est dans le beurre, là, tout va bien, il ne parle plus. On ne l'entend plus. Mais quand il sort, là, il devient opposant. Vous n'allez pas devenir opposant dans le pays. Là. Vous n'allez pas devenir opposant parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous allez créer des entreprises pour embaucher les jeunes. Tout cela, ça va participer à la consolidation de la paix, de la cohésion sociale. Vous allez participer à la création d'entreprises. Vous allez participer à la réduction du chômage. Parce que l'argent, il faut mettre à disposition. Et qu'il faut créer des entreprises pour embaucher les jeunes. Plus vous créez des entreprises, vous devenez des super employeurs. Et puis vous, demain, c'est vous-même, demain, l'État même vous confie des gros chantiers, des réformes. C'est l'État, la vision du président Alassane Ouattara, c'est de réduire massivement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est de réduire le taux de chômage en Côte d'Ivoire. C'est la formation professionnelle des jeunes. Ceux qui ont les décrochages scolaires, là, de les réinsérer dans la société. Les jeunes qui sont en prison, c'est la réinsertion. La femme ivoirienne doit être libre et indépendante pour ne pas être l'esclave de l'homme. Pour ne pas être contrainte de s'asseoir dans un foyer où elle est malheureuse. C'est ça, la femme libre. D'être chef d'entreprise, d'entreprendre. Donc, la vision, la réforme du président Alassane Ouattara, c'est d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens, donc des jeunes, des femmes, des familles, d'accompagner. C'est ça. Donc, si tu n'es plus ministre, tu es ma soeur, mon frère, l'argent que tu as eu, il faut créer entreprise, tu vas embaucher les jeunes. Tu ne peux pas devenir rebelle. Tu ne peux pas devenir opposant. C'est ma prière que j'ai faite. C'est ma prière que j'ai faite. Hein. Je n'ai pas fait. Je n'ai pas. Ce n'est pas des accusations, mais c'est une prière. C'est ma volonté. Je dis, monsieur le président, moi, je suis la voix des sans-voix. Je suis une citoyenne. J'essaie d'être la porte-parole de la majorité silencieuse. C'est ce que pense la majorité silencieuse que j'ai bien apporté. Maintenant, si les journalistes, les journalistes ont récupéré pour en faire leur article de presse, mais c'est le droit des journalistes de récupérer. Tout le monde est sur la toile de faire des articles de presse. Mais ça ne veut pas dire que je porte des accusations. Non. Plaidoirie, là, c'est ma prière. J'ai prié pour nous tous, notre bien commun.
Parce que si le pays est stable, c'est nous tous, on est stable, nous. Si le pays va bien, c'est nous tous, on va bien. Et j'ai dit, il faut que le président et le premier ministre Achille Patrick, dans le prochain gouvernement du premier ministre Achille Patrick, on puisse garder des ministres qui ont vraiment bossé. Mais c'est normal. Des ministres qui sont proches. Du peuple, des populations. Des ministres qui ne sont pas guindés, qui ne sont pas zélés. Il y a des ministres qui sont un but de leur personne. On t'a nommé, le président même qui te nomme là. Lui, quand il arrive, il salue les gens comme ça. Toi, on t'a nommé, tu arrives, tu pètes sur nous. On aura fait comment? On aura fait comment? On aura fait comment? C'est toutes ces petites choses-là, plus, qui créent des gros problèmes de tension dans la société. Aujourd'hui, l'opposition même, qui a appelé à boycotter les élections, l'opposition qui a appelé à l'insurrection, l'opposition qui a refusé de participer aux élections démocratiques libres et transparentes, l'expression démocratique, l'opposition qui a refusé de participer aux élections, l'opposition aujourd'hui est en train de gratter les murs pour devenir ministre d'un gouvernement là. Gouvernement où ils ont dit non, c'est troisième mandat là, l'opposition veut être ministre de troisième mandat. Ouah, ça là, si ce n'est pas des politiciens magiciens, je ne sais pas ce que ça peut être. Des politiciens magiciens. L'opposition refuse de participer aux élections. C'est-à-dire le choix du président de la République. L'opposition, ils sont validés, mais ils refusent de participer. Et puis maintenant, il veut être ministre. Tu les vois maintenant, ceux pendant que nous, on faisait campagne, qui nous insultaient là, pour dire qu'il n'y aura pas d'élection, ils vont nous faire asseoir. Pour nous donner conseil, et même aujourd'hui, là, ils mettent leurs photos en costume, en veste, genre, le président va les nommer ministre. Mais est-ce que vous connaissez la Zan Ouattara? Est-ce que vous les connaissez mieux? Est-ce que vous connaissez la Zan Ouattara? Je vous ai dit, pour la Zan Ouattara, c'est comme un dictionnaire. Il faut prendre ton temps pour le lire, pour comprendre et pour apprécier. Vous ne le connaissez pas. Hein? Donc, vous, en fait, vous pensez que le président de la République, il va envoyer l'image à quoi? À quelle jeunesse? Que dans le pays, là, tu viens, tu casses les bus, tu brûles les bus, tu coupes les arbres, tu mets sur la route, tu fais renverser des cas, il y a des morts, et puis on te nomme ministre. Mais le président ne peut pas envoyer ce message-là aux Ivoiriens. C'est que vous ne le connaissez pas. Enfin, vous ne connaissez pas le président de la République. C'est des délinquants voyous, là. On va les nommer ministres. Mais si des voyous, des délinquants doivent être ministres, mais il n'y a pas de raison d'avoir une République. Tout le monde, chacun va se lever, être voyou, et puis il devient président. Le président ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Chakama, je suis la sœur de Ouroudougou quand même. Je suis la princesse de Ségué là. Les Koyaka, même ils savent ça, c'est moi, je suis la princesse. Je suis la dernière des princesses de Ségué là. Je suis la patronne des Sinoufos. Ils sont là, ils n'ont qu'à se signaler. Je suis la Boussmani de Ouattara. Kobala émergea. Il pique, pim! Quand il lance flèche même de deux au cou, ça va. C'est pas... Chasseur ne peut pas rester devant moi. Donc, je vois des gens, ils sautent partout. Et tout d'un coup, soudain, brusquement, ils veulent tous être des ministres. Mais vous êtes ministre dans quel gouvernement? Ça m'a dit doucement à nous. Non, mon gars, ils n'ont qu'à nous respecter. Respectez-nous. C'est pour ça que quand je parle d'Ambac, c'est avec beaucoup d'émotion. J'ai beaucoup d'émotion. Traoré, qui est ton esclave ici là? C'est moi la patronne. Vous les petits sénoufos là, respectez-moi. Je suis votre patronne. C'est moi la patronne des patronnes. Bientôt j'arrive à Korogo, vous allez danser pour moi là-bas.
C'est de ça il s'agit. Donc, mes frères et sœurs, je pense qu'on a combien de minutes déjà? Mes frères et sœurs, je voudrais juste vous dire. Je voudrais juste vous dire que ma plaidoirie est une prière. Ma plaidoirie est une prière. Notre pays est gorgé d'intelligence. C'est pas forcément... Quand je parle d'intelligence, je parle pas de diplôme. Je parle pas de diplôme. L'intelligence, je parle de la capacité de l'homme, de l'être humain à rechercher la relation humaine pour être en connexion tout le temps avec Dieu. Parce que Dieu, là, c'est pas le temps, c'est pas le fait de le prier hein, qui fait dire qu'on est en connexion avec lui. Dieu, c'est tous les jours nos actes que nous posons tous les jours, le regard qu'on a sur l'autre, notre approche, notre appréciation de l'autre, la main qu'on tend aux autres. C'est par ça que Dieu, c'est ça qu'est Dieu. Je demande simplement qu'on puisse avoir des ministres qui craignent Dieu. C'est craindre Dieu, c'est regarder le pauvre. Craindre Dieu, c'est tendre la main à l'orphelin. Craindre Dieu, c'est aider les plus démunis. Craindre Dieu, c'est se rabaisser pour saluer, comme fait le président Alassane Ouattara. Il se rabaisse pour saluer. Moi, j'ai vu l'homme, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est tellement humble. Tu sais qu'il est, il est très spirituel. Il est, lui et son épouse, quand son épouse, quand la première dame Dominique Ouattara, quand tu veux lui parler, elle se rapproche de toi et puis elle t'écoute. Elle t'écoute. Écoutez là, c'est important. Écoutez. Mais si tu dois écouter le peuple, que toi tu montes sur tes grands sabots, mais à quel moment tu vas te rabaisser pour nous écouter? Il faut descendre des sabots. Parce que le président lui-même qui décide là, il écoute, il respecte. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, on est dans une société avec l'avènement des réseaux sociaux, une société beaucoup plus violente et agressive, ou une société de consommation où tout le monde est pressé et tout le monde veut des résultats. Mais les résultats là, c'est pas des petites choses. L'attention qu'on porte à l'autre là, c'est pas ça qu'on on a des résultats. L'attention à l'autre, c'est par ça qu'on a des résultats. Les résultats, c'est ça, au fait. Écoute l'autre. Parce que tu es là pour lui, mais tu n'écoutes pas. Tu es là pour qui? C'est important. Chantoulé, Chantal, je t'embrasse. C'est important. Il y a des hommes exceptionnels dans le pouvoir, mais j'en citerai pas les noms aujourd'hui parce qu'on va dire, ah, elle est en train de faire la promotion des uns, des autres, parce qu'elle veut qu'on nomme un tel. Moi, je suis pas comme, je rentre pas, parce que je dis le président, seul le président est souverain. Seul le président est souverain. C'est lui qui prend ses choix, qui a des décisions, il a son agenda. Donc, mais et puis ce que j'ai à dire sur les réseaux sociaux ne va pas changer, ça ne changera rien à la décision du président. C'est, le président, j'ai dit, sa veste là, quand il descend, puis les chocoteaux là, à côté là, il y a ses papiers dedans, ses bouts de papier, ça est dedans. C'est codé. Tu peux prendre, tu vas lire, tu ne vas rien comprendre. Parce que lui seul, il connaît son code. C'est codé. Donc, il y a des hommes, des hommes, des personnalités proche du pouvoir, dans le pouvoir exceptionnel. Souvent, ils sont invisibles, on ne les voit pas. Ils sont, que je dis, exceptionnels. Exceptionnels. Il y a des hommes exceptionnels. Exceptionnels. Qui n'aiment pas même le bling-bling, qui n'aiment pas les caméras, qui n'aiment pas la lumière. Ils aiment être, ils s'effacent. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en discutais avec un ami qui me disait, mais Gouza, tu as vu le petit frère du président? Les gens parlent de lui sans le connaître. Je dis oui, c'est malheureux, ils ne le connaissent pas au fait. Parce que c'est un homme qui n'aime pas la lumière. Il est très en retrait.
Il est très. Pourtant, ça fait 10 ans qu'il est ministre des Affaires présidentielles. Ça fait 10 ans qu'il est ministre des Affaires présidentielles. Ministre des Affaires présidentielles, pas rien. Ça veut dire que la sécurité du palais, la sécurité du président, tout ça, ça est dans ta main. Ça fait 10 ans qu'il est ministre des Affaires présidentielles. Mais c'est juste, il est venu à la lumière. Et puis, ça soulève un tollé sur la toile, par exemple. Parce que les gens ne le connaissent pas. Mais c'est normal. Parce que c'est quelqu'un de très discret. Il est discret. Il n'aime pas les caméras, il n'aime pas les journalistes. Il est très discret. Parce que c'est ça. Il ne va pas venir faire le bling bling bling. Mais c'est un bosseur. Et aujourd'hui, quand tu vas sur la toile, les gens essaient de créer des fan clubs, des groupes. Groupes, fan club de Hachi Patrick, fan club de Tene Ibrahim Ouattara. Mais concentrons-nous sur la République, soyons des citoyens. Tene Ibrahim Ouattara, Hachi Patrick, ils sont comme ça. C'est moi qui vous dis ça. Tene Ibrahim Ouattara, Hachi Patrick, ils sont comme ça. Les deux là, ils sont comme ça. Donc, les gens qui font bruit sur Facebook, là, laissez ça. Les deux là, ils sont comme ça. Ils sont, quand je vous dis comme ça, là, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Les deux là, ils sont comme ça. Les gens ont trouvé une manière de marmailler au Face. Donc, on est sur les réseaux sociaux. Il y a des gens dans la marmaillerie. Pour eux, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils vont créer des animosités entre les non-éclairés. Parce que les éclairés, là, quand ils vous regardent, ils rient. Parce qu'ils savent que vous n'avez rien compris. Les éclairés, là, quand ils vous regardent, ils rient. Parce qu'ils savent que vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Donc, groupe ici, mais soyons des citoyens. Parlons de la République. Parlons de la citoyenneté. Parlons des sujets de société. Les mots de société. Essayons d'interpeller dans le respect de la République, des valeurs de la République, d'interpeller nos autorités sur ce qui ne va pas. Excusez-moi. Sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut améliorer. Il faut essayer d'interpeller nos autorités pour qu'ils puissent, eux aussi, parfois, ils n'ont pas toutes les informations. Ça les aide aussi à améliorer un certain nombre de choses, à améliorer les choses. C'est important. Mais c'est devenu un business. C'est qu'on a l'impression qu'on a des petits mercenaires miséreux qui prennent plaisir à inventer des conflits qui n'existent pas. Ils prennent plaisir à inventer des conflits qui n'existent pas. Puis après, vous avez vu, non? Monsieur le ministre, nous, on est sur les réseaux sociaux là. C'est nous, c'est nous, on vous défend. C'est nous, on vous défend. Nous, on est sur les réseaux. Nous, on est sur les réseaux sociaux là. Nous, là, on vous défend. Vous avez vu, non? Mais le ministre n'a pas besoin d'être défendu. C'est le ministre qui doit te défendre. Donc, toi, tu ne peux pas défendre le ministre. Parce que le ministre est à ton service. Le ministre, il est à ton service. Il est en mission pour toi te servir. Donc, pourquoi toi, tu veux défendre le ministre? C'est le ministre qui doit te défendre. Donc, si chaque citoyen connaissait ses droits, ses devoirs et ses obligations, je vous assure qu'on n'allait pas avoir tout ce bruit, ce vacarme-là, ce bruit, on n'allait pas avoir ça. On n'allait pas avoir ça sur la toile. Je répète, et je redis, Tene Ibrahim Ouattara, Hachi Patrick, les deux là, ils sont comme ça. Tene Ibrahim Ouattara, Hachi Patrick, les deux là, ils sont comme ça. Vous vous fatiguez. Ils sont comme ça. Tene Ibrahim Ouattara là, ministre chargé des affaires présidentielles. Hachi Patrick, le premier ministre, avant d'être premier ministre aujourd'hui confirmé, il était aussi le secrétaire de la présidence. Donc les deux là, ils travaillent comme ça pour le président. La sécurité du président, ils sont comme ça. L'économie, ils sont comme ça. La Côte d'Ivoire, là, ils sont comme ça. Dans ça là, toi tu babas, tu gagnes quoi? Tu cherches quoi même dedans?
Donc, ne cherchez pas les animosités inutiles. Cherchez à embrouiller les militants des partis du RHDP ou les militants pour dire, ah, vous avez vu. Non, hein, ne cherchez pas. En fait, ceux qui font ce bruit-là, c'est des petits mercenaires mesureux. Sinon, en réalité, il n'y a pas de problème. Le président, là, il a déjà bouclé. C'est le choix du président, là. C'est ça qui va s'opérer. Tu veux, mais il faut prendre ta photo, là. Il faut faire poster. Tu vas les déposer aux États-Unis. De là-bas, le président va te regarder sur les immeubles, les buildings, là. Il va te regarder. Ça ne va pas changer sa décision. Ça ne va pas changer mieux. Il a déjà bouclé. C'est quoi vous cherchez? C'est quoi? C'est le président qui va nommer. C'est-à-dire que c'est le candidat du président pour les élections des chefs d'institution et tout ça. C'est le candidat du président là qui sera. Je vais vous dire, c'est le candidat du président même qui sera le président, qui sera le président de l'Assemblée nationale. C'est pas quelqu'un d'autre. Le candidat du président. C'est pas vous qui allez changer même ça même. Hey! C'est lui qui décide. Mais tout ça est bouclé. Donc ça ne sert à rien. On va chercher les animosités. On va créer des tensions dans l'esprit des gens. Et puis donner, en fait, donner à manger aux gens qui veulent détruire la République. Ah, vous allez dire, ouais, j'y vais là. Il n'y a rien. La République va très bien. La République se porte bien. Il n'y a pas de problème de là. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, mes amis, je vais vous dire simplement que bientôt, ça va être le nouveau gouvernement. En tant que citoyen, réfléchissons. Ayons des idées. Proposons comment on peut être utile pour le développement de notre pays, pour participer au développement. Comment on peut être utile pour améliorer, pour renforcer le dialogue. Comment on peut être utile pour participer à la consolidation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Comment on peut être utile pour éviter les crises communautaires à notre pays. Comment on peut être utile? Donc, le devoir de citoyenneté. Voilà les sujets. Moi, Gouzan Naounou, en tout cas, j'ai toujours porté ces sujets sur la toile. Parfois, je peux avoir des sorties où j'ai bim. Mais mes sujets, c'est la République. Moi, je suis une amoureuse de la République. J'aime la République. J'aime ces institutions, j'aime le régalien, j'aime l'ordre. C'est pour ça que quand je l'ai dit, quand le président Alassane Ouattara a choisi le premier ministre Achi Patrick, j'ai dit, enfin, le Alassane Ouattara des 90 est de retour. Parce que ça va être l'ordre. Il va mettre l'ordre. Achi Patrick, là, il est bon, mais il aime l'ordre. C'est tac, 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 tac. On va. L'ordre dans les ministères. L'ordre dans les institutions. Alassane Ouattara de 1990, qu'on adore, qu'on cherche, qu'on aime là. C'est ça qui est là. Et le président va mettre l'ordre dans son parti politique. Le RHDP là, le président va mettre l'ordre dedans. Il y a trop de bruit. Trop de bruit. Alassane Ouattara n'aime pas le bruit, il n'aime pas le désordre. Il y a trop de bruit. C'est que les gens s'octroient des droits, ils se donnent des rôles. Tu te dis, mais c'est quoi tout ça? C'est quoi ça? Les gens pensent que ils vont se lever, puis il doit être quelque chose parce que, non, on est dans une république, il y a des institutions, il y a des lois, il y a l'ordre. L'ordre républicain doit être respecté. À commencer par même les cadres du parti. Il faut respecter l'ordre républicain. C'est quoi ça? Bruit, 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 à quoi? Le président va mettre l'ordre. Il va mettre l'ordre. Est-ce que vous connaissez Alassane Ouattara? Est-ce que vous le connaissez? J'ai quelqu'un qui me disait Gouza. Ils ne le connaissent pas. Parce qu'au moment où les gens disent ah non, puissance, pas une puissance, vous avez laissé même la RD, RHP. Et là, j'ai dit, vous venez de
son droit. Il a le droit. C'est moi qui le dis. Votre bouilleton. On doit confier, on dit la jeunesse, on a compris. Mais une jeunesse qui n'est pas prête là, ce n'est pas la peine. Une jeunesse qui n'est pas prête, qui est brouillon là, ce n'est pas la peine. Donc 2025 là, il a son premier mandat de la Troisième République. Moi-même, je vais l'encourager. Comment ça va vous bim, votre pressé, pressé, vous êtes la génération pressé, pressé là. Vous n'êtes pas prêt. Vous venez créer le désordre. Vous n'êtes pas prêt. Mais ça, il s'agit. C'est Gouza Naounou qui dit la Bousmane de Ouattara, la Djakassa, la dernière, la princesse de Séguéla, la sœur de Ouroduguga, la patronne des patronnes. Laissez-nous, il faut mettre les cœurs. C'est de ça, il s'agit. Mariam Sori Touré, je t'embrasse. Olivia, Olivia dit bruitons-nous vivants. L'ordre même de la fonction publique. Non mais attendez, génération pressée, pressée, ils donnent migraine. Ils sont pas prêts. Regardez un peu, même au niveau des élus, on dit les députés de la nation, les élus de la République, eux-mêmes ils sont bruyants. C'est pas possible. Achi. Achi. J'ai parlé à Nati. Achi. Achi. Mets l'ordre. Mets l'ordre. Nous faisons confiance. L'ordre. Mais c'est le premier ministre. Ah. C'est en Afrique. On voit les députés. Mais c'est pas possible. Un député de la nation, là, tu dois avoir une carrure, tu dois avoir une démarche, un comportement. Tu sais, le député doit être. Mais on dirait diarrhée. Il y a quoi? Mais tu représentes le peuple, toi-même, tu es bordélique. Mais c'est sacré. On dit le représentant du peuple. Toi-même, tu chies, tu es bordélique. On va où ça? On va où ça? L'ordre. L'ordre. Non, là, Scaramoko, moi-même, j'aime le mot Bousmane, là, hein. Tu sais ça, non? Je suis... Je suis Zénab de Ado. Donc, Bousmane, là, c'est la go de la forêt. Moi-même, je suis la go de la forêt de Ouattara. J'aime ça même. Vous n'avez pas vu le film Zénab, en Côte d'Ivoire, la fille qui grève, là, non? Les arbres là, non? Moi, je suis Zénab. Donc, Bousmane, ils font de ça. Hein? Ils vont m'appeler la Bousmane de Ouattara. Je suis l'attaquant des ados. Le président est numéro 10, moi, je suis numéro 9. Tu viens, y est bim. Aïe. Donc, mes frères et sœurs, c'est sûr, c'est. Petit mot que je vais vous laisser pour vous dire. Très belle soirée. Notre plaidoirie, parce que finalement, ce n'est pas ma plaidoirie, c'est notre plaidoirie, c'est notre prière à tous. C'est que nos élus et nos ministres soient proches, soit les prochains dans le gouvernement Patrick Achi, soient des ministres proches des populations pour réussir la mission, et respecter la confiance du président, parce que c'est important. Quand on reçoit une mission, ça veut dire qu'on a respecté la volonté du président. Donc, nous prions nous tous et que on souhaite une très belle chance au Premier ministre Achi Patrick de réussir sa mission et nous lui faisons confiance. Et moi, je sais qu'il ne va pas nous décevoir. Il est à la hauteur, il a prouvé, il sera à la hauteur. Belle soirée à vous tous. Merci et vive la République. Bye bye, bonsoir.